national. Le peuple congolais n'est pas prêt pour accepter quelconque dialogue avec les terroristes M23. M23, c'est une unité de l'armée rwandaise. Elle ne peut pas négocier avec un gouvernement élu démocratiquement. Mais qu'est-ce que vous voulez, Lori? Vous avez demandé qu'il y ait un gouvernement qui fait à la dictature. Maintenant, nous avons des institutions élues démocratiquement. La démocratie est maintenant au Congo. Mais la démocratie devient encore mauvaise. Pourquoi fuir le terrorisme? Pourquoi imposer un président démocratique dans le pays de le terrorisme? Mais qu'est-ce que vous voulez? Qui vous croirait encore? Et c'est pourquoi nous disons non, pas question d'intégrer les terroristes dans l'armée, pas question de primes, de grades aux terroristes. Maintenant, les autres qui ont fait des grandes écoles, ils sont des lieutenants. Mais les terroristes, ils viennent ici intégrer dans l'armée avec des grades de général, des grades de colonel. Donc vous voulez motiver que tous les policiers, tous les militaires puissent être devenus des terroristes, parce qu'après négociation, ils seront des généraux. Dans quel pays au monde où les terroristes commencent seulement par les grades de général et des colonels? Dans quel pays? Quand nous disons non, on ne négocie pas avec les FDR. Pourquoi les FDR ne négocient pas avec les ADF? C'est seulement nous qui avons l'ordre de négocier avec les terroristes. Nous disons non. Merci beaucoup, monsieur. Les États-Unis occupent une place importante dans la gestion de ce monde actuel. Nous espérons que si le Congo est agressé, il y a un génocide, c'est fait ici au Congo depuis des années, devant un silence inexplicable des Américains. Nous, on estime que le gouvernement américain prendre cette responsabilité historique. Nous mettons devant le monde ce témoignage. Et les États-Unis ne nous accompagnent pas. Nous sentons qu'il y a une diplomatie. Il y a une diplomatie de façade entre la RDC et les États-Unis. Le monde à l'extérieur. On a vécu l'accompagnement des États-Unis au Rwanda. Et on voit les résultats aujourd'hui. Si le Rwanda se donne le culot d'attaquer le grand Congo, nous estimons que cette responsabilité est partagée au niveau global. Bonjour Papa Langaï. Papa, je suis venu à la beauté, mais c'est là, Botamboli.
Elle pour l'occasion ni maman. On a occasion à dénoncer agression en Mboka Nabiso par le Rwanda. Parce que agression en Mboka Wana, en Mboka Nabiso par le Rwanda, tu as dit que Rwanda, Mokimo Bimba et le Rwanda agressé Mboka, mais pas au salaté pour que Rwanda attende. Mais tu as dit que la Sima Rwanda est arrivée à multinational, Oyo, Bazali Kosungaye, la multinational, Bazali Kopesa Minduki, et pas à Banguna, pour pas Boutisa Congo, pour Mboka Nabiso et Kende, dans Maboko. Il y a papaya. Il y a beaucoup de pays congolais qui font sa conscience. Toboïté, bah rwandais, bah peuple rwandais, toboïté. Nini, mais ton lingine, kimia ezala. Toboï, politique à gouvernement rwandais, ezali politique à mabe, politique à agresser banini. Mais tu as dit que mon ali, bah M23, parce que papa, on va dire bah congolais. Nini, parce que papa, on va dire rwandais. Ma camboya M23 et Zali, Rwanda a utilisé M23 dès que tu as dénoncé. Ce qui M23 a eu qui ma camboya, et il y a qui est à la bonne côté. Mais Rwanda a utilisé M23, Colombie est à bien. Merci beaucoup. Téléma, Tobunde la Boka. Ebela, Ebela, Boke, Tokende. Ebela, Ebela, Boke, Tokende. Yebela yebela mbokezo kende 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 Bonjour. 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 Maintenant, nous disons non et non à cette agression, non et non au pillage de la source naturelle du Congo, au mine du Congo. Nous disons non. Et pour la faire baisser, mais je ne veux pas. Nous assimons la pime et un mot à la vie. Parce que ça, la moussa, ma lame, en gros, c'est tellement pour la pour encourager Bango, aussi ma maman Boko, pour encourager Bango, pour pas libérer mon cabisson. Merci beaucoup pour Panangaï. Bonjour, maman. Yebela, yebela, mbokezo kende.
telema to bundela mboka. Bonjour maman ngai. On est sur mon ana au pont de Riawa. On a bini maman ngai, ça me gagne mon walolo. Le peuple congolais n'est pas prêt pour accepter quelconque dialogue avec les terroristes M23. M23, c'est une unité de l'armée rwandaise. Elle ne peut pas négocier avec un gouvernement élu démocratiquement. Mais qu'est-ce que vous voulez, l'ONU? Vous avez demandé qu'on mette fin à la dictature. Maintenant, nous avons des institutions élues démocratiquement. La démocratie est maintenant au Congo. Mais la démocratie devient encore mauvaise. Pourquoi appuyer les terroristes? Pourquoi imposer un président démocratique d'avoir des messages avec les terroristes? Mais qu'est-ce que vous voulez? Qui vous croirait encore? Et c'est pourquoi nous disons non, pas question d'intégrer les terroristes dans l'armée, pas question de primes, de grades aux terroristes. Maintenant, les autres qui ont fait des grandes écoles, ils sont des lieutenants. Mais les terroristes, ils viennent ici intégrer dans l'armée avec des grades de général, des grades de colonel. Donc vous voulez motiver que tous les policiers, tous les militaires puissent devenir des terroristes, parce qu'après négociation, ils seront des généraux. Dans quel pays au monde où les terroristes commencent seulement par les grades de général et de colonel? Dans quel pays? Ça, nous disons non. Merci. Vous êtes monsieur? Je suis maître Carlos Lupi. Bonjour. Je suis président du Conseil suprême de la société. Bonjour maître. Mon aninga la bemboka bayoka mwanamboka. Aussi que le côté minanzele za pa likamoni ni mwanamboka. Awa biso toye ko tele. Ezali ko toye ko tele. To lobby boy. Peuple représenté par la société civile. To boy makambo oyo ya négociation na ba terroriste M23. M23 est une unité armée rwandaise qui sont un gouvernement démocratique. La démocratie ne peut pas négocier avec les terroristes. Puis c'est un lobby, Lukuta. Et puis,
intégrer les terroristes dans l'armée. L'armée n'ignore ce qui vous doit signer ma nuit à Bomi, à Yembara, votre colonel général. Mais si vous avez un balandi qui fils, vous avez un capitaine, un lieutenant, un agent. Vous avez un boy et le coin. Ma maman a vu son coufi, vous avez violé. Les mères accouchent en pleine victime. Ça, nous n'acceptons pas. Où est le conseil de sécurité? Où est le droit de l'homme? Nous sommes tous défenseurs des droits de l'homme. Donc, comme on a sonné, que le droit de l'homme dans le Congo, pendant que le conseil de sécurité ferme les yeux lorsque nous sommes au Congo. Mais moi, je ne sais pas si négocier dans le pays 1-2, mais qui m'a dit que nous sommes sortis de mon amboka. Nous sommes tous d'abord dialogue entre FDLR et le gouvernement à Kagame. Ok? ADF, le gouvernement à Mousseveni. Pas négocier, mais puisque tu négocies sur le M23 batterie. Merci beaucoup. Pourquoi le Rwanda ne négocie pas avec les FDLR? Pourquoi le Rwanda ne négocie pas avec les ADF? C'est seulement nous qui avons l'ordre de négocier avec les terroristes. Nous disons. Merci beaucoup, mon président. Quelles sont votre présence pour cette marche d'aujourd'hui? Oui, la marche aujourd'hui, c'est justement pour revendiquer que nous ayons la paix. C'est depuis un bout de temps que notre pays est en train d'être victime d'une agression d'un pays voisin, le Rwanda, et l'Ouganda est en train de se mettre dans le conflit. Et pour cela, nous avons décidé de nous exprimer par cette marche que vous voyez aujourd'hui. Pourquoi vous ne voulez pas le dialogue avec les M23? Oui, c'est le M23 qui est utilisé par le Rwanda. On se pose mille et une questions. Comment est-ce que le Rwandais ou le soi-disant des Congolais qui se laisse instrumentaliser par un Rwandais et un pays voisin pour venir juste déstabiliser le pays? On peut décompter déjà plus de 10 millions de personnes tuées suite à cette guerre sans sens et non justifié. Mais qu'est-ce qui prouve que les gens qui sont en train de faire le massacre là-bas, ce sont les Rwandais? Parce que les M23 disent que ce sont les Congolais. Il y a des rapports, mon cher ami, il y a des rapports qui ont démontré noir sur blanc que ce sont des Rwandais. Il y a des preuves sur terrain. Quand on les attrape, on trouve que ce sont des Rwandais qui sont en train de nous tuer à l'est du pays. Quels sont les messages que tu peux lancer à la population congolaise? À la population congolaise, c'est de se mobiliser et à partir d'aujourd'hui, s'unir comme un seul homme pour dire non à cette agression, une agression non justifiée. Nous sommes en train de freiner notre pays dans le développement, nous sommes en train de bousiller toute une génération qui ne peut pas suivre l'éducation dans ce cours normal. Mais tout ça, ça bloque les pays. On ne peut pas se développer. Et c'est pour cela que les Congolais doivent être mobilisés à partir d'aujourd'hui pour qu'ils puissent savoir qu'on doit lutter pour la paix dans notre pays. Ça. Bonjour journaliste. La mission principale, la chef de l'État, le gouvernement, nous sommes intégrité territoriale. Mais nous avons un cannabis qui est en train de se faire. La population est en train de se faire. Moi, je suis en train de se faire.
installé déjà 3 jours dans Zoliate. Parce que souffrance, c'est ça, Makassi, tu comprends? Tu as tellement mis les gens au Mutumoko comme population congolaise, tu as marché. Tu as kende kolande la minele, tu as un dossier, on va éviter, tu comprends? Tu as dit qu'il y a une complicité internationale. Tu as dit que le Conseil de sécurité est impliqué dans Makamwana. Aucune sanction contre le Rwanda. Aucune sanction contre l'Ouganda. Mais si les lots sont couverts, c'est quoi? Tu as dit que les Nations Unies. Musalani tosa na Nations Unies. Pourquoi on est là? Yango to lobby to la na États-Unis. Le col est dans mibenga puissance monene. Mais une marche na biso za solidarité nationale. Oh marche à solidarité nationale. Oh marche à descente sur terrain. Oh marche à interpellation. Ya mutu nyoso za la Équateur, oza la Banundu, oza la na Kasai, mutu zo kufa na Est za ndeko nayo. To bengi ba kongole nyoso, baza la sima na biso le col mutu moko, oto évariquer ba Rwanda. Rwanda zamboka mukye mon frère. Parce que la population est au-delà de 2 millions d'habitants. Mais parce que ça, nous savons pas quoi. Les Ougandais nous font mal. Pourquoi? Mais moi, il faut déclarer guerre contre Batouana. C'est pourquoi nous descendons là-bas. Mais moi, je me suis dit, qu'est-ce qui prouve que le Rwanda a appliqué ça? Je ne sais pas. 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 Ce sont des Rwandais de nationalité. Ce sont des gens qui nous ont agressés depuis longtemps. Ma preuve est belle. Conseil de sécurité, Nations Unies, en gros, se confirmer en gros. La ministre Tozana étape et action sur terrain. Il y a une émission qui s'est confirmée, il n'y a plus de doute. Les actions sont menées et puis ça ne sera pas bloqué. Tobanda qui a depuis qu'à la Melo, tu l'as moussé le sous-sous pour Rwanda Zonga. A Tabisonio, c'est au côté armé s'il faut qu'on entre. Donc à la minute où nous sommes plus que déterminés. Et c'est pourquoi on a émission que Ouganda, na Rwanda, ce sont les deux pays qui nous agressent et nous allons marcher jusqu'aux dernières énergies. Et c'est une lutte citoyenne, personne ne peut la bloquer. Tozana a des ordres de tête, un chemin d'élite. Merci beaucoup. Selon l'information qu'il nous donne, il est officiel américain. Et comme il estime que sur la route qu'on doit remettre, nous on pensait qu'il nous recevrait dans un bureau pour remettre des mémos. On est obligé de les donner sur la route comme ce que vous préférez. Mais ça aussi nous enregistrons comme un dédain de votre part. Nous étions toute une masse populaire. On nous a demandé de venir en délégation et laisser la masse pour ne pas pour que l'ambassade reste dans un droit de protection. Et là, vous nous recevez sur la route. Ça, nous enregistrons comme un rejet d'une main pour l'autre. Mais du moins, nous vous remettons de même à l'endroit que vous avez invité. Et le mémo ici, c'est pour dire que nous avons un message. On va lire le mémo avant de vous le remettre, afin de prendre connaissance du contenu. Je vous témoigne, le Congo est mobilisé. Nous le savons très bien. Le Rwanda, depuis le génocide rwandais, le Rwanda est suffisamment appuyé par les États-Unis. Les États-Unis ont un mot important au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies.
Le Rwanda, les États-Unis occupent une place importante dans la gestion de ce monde actuel. Nous estimons que si ce Congo est agressé, il y a un génocide qui s'est fait ici au Congo depuis des années, devant un silence inexplicable des Américains. Et nous, on estime que le gouvernement américain doit prendre cette responsabilité historique. Nous mettons devant le monde ce témoignage que les États-Unis ne nous accompagnent pas. Nous sentons qu'il y a une diplomatie, il y a une diplomatie de façade entre la RDC et les États-Unis. Le monde en est témoin. On a vécu l'accompagnement des États-Unis au Rwanda. Et on voit les résultats aujourd'hui. Si le Rwanda se donne le culot d'attaquer le Grand Congo, nous estimons que cette responsabilité est partagée au niveau global. Rien ne peut expliquer ce silence américain. Rien ne peut expliquer ce silence des membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est inacceptable et pour nous, trop, c'est trop. C'est depuis 1996 que le sang congolais coule. Voilà des décennies. Nous sommes sous cette emprise rwandaise et il n'y a que des communiqués qui viennent de votre part. Quand on voit votre accompagnement en Ukraine, on se pose la question de savoir est-ce que la globalisation c'est pour le Nord seulement ou bien le Sud aussi est concerné. Pourquoi seulement accompagner l'Ukraine, ne pas accompagner la RDC? Nous sollicitons votre accompagnement et nous estimons que ce message ne vous est pas adressé vous-même. Notre gouvernement aussi est responsable. Au sommet de l'État, il doit prendre les responsabilités à main. Nous devons arrêter avec cette diplomatie de façade. Soit nous sommes des partenaires avec les Américains, ou alors il n'y a pas de partenariat et nous bloquons tout. C'est ça. Aujourd'hui, c'est la première manifestation. Aujourd'hui, c'est la première manifestation. Et à partir d'aujourd'hui, nous allons poursuivre les manifestations. Le 9 de ce mois de novembre, nous serons ici à l'ambassade. Et là, c'est une masse populaire. La police qui est devant nous ici, qui nous a dispersés, ne saura pas le faire. Peut-être que ce sont nos cadavres qui vont ramener avec eux. Donc nous vous donnons 7 jours en tant que gouvernement américain. Réfléchissez sur le destin du Congo et sa situation actuelle. Voilà notre message. Je voudrais vous lire ici quelques mots pour ne pas revenir sur l'entièreté de ce document. Nous, organisations, plateformes, réseaux, vêtières de la société civile de la République démocratique du Congo, réunis sous l'initiative des organisations œuvrant dans la sécurité, on s'est réunis du 31 octobre au 1er novembre 2002 à Kinshasa, 2022, pour examiner la situation découlant de l'agression de la République démocratique du Congo qui est victime de la part du Rwanda et de ses alliés. Préoccupés et révoltés par l'agression récurrente de l'armée rwandaise et ses alliés sur notre territoire, la progression de l'ennemi sur le territoire congolais, la prise de Bunagana depuis 5 mois, suivie de celle de Kiwanja Centre et celle de Rutshuru par l'armée rwandaise sous le camouflage du mouvement terroriste du M23. Les massacres, les tueries, les déplacements, les viols et la destruction des villages de la population locale ainsi que le pillage des ressources naturelles de notre pays, l'attitude inexplicable de la communauté internationale, inclut les États-Unis, qui refusent de prendre des sanctions à l'encontre de l'agresseur de la RDC
pourtant bien identifiés et cités par les rapports diligentés par les Nations Unies. La complicité de la communauté internationale face aux motivations de la guerre d'agression de la RDC par le Rwanda, pourtant connue comme étant économique, hégémonique et visant surtout la conquête d'une partie du territoire de la RDC, l'indifférence de la communauté internationale face aux millions de morts en RDC dus aux multiples crimes de guerre, crimes contre l'humanité et crimes de génocide. Les appels récurrents des Nations Unies et de l'Union africaine au dialogue avec le Rwanda, pays agresseur, sans condamner celui-ci au préalable et voire le sanctionner, l'inefficacité de la MONUSCO ainsi que des troupes armées du Burundi, du Kenya, de l'Ouganda à juguler l'insécurité sur ce sol congolais. Là, le texte continue. Mais notre préoccupation est là. Au nom du peuple congolais, nous vous remettons ces mémos, nous adressons ces messages, vous mettons en garde. Et nous vous interpellons que la RDC va quitter même le Conseil des Nations Unies. Au fil du temps, si nous ne trouvons pas d'amitié là-bas ni d'intérêt. Parce que ça ne sert à rien d'être dans nous les Nations Unies aussi longtemps qu'il n'y a pas de soutien. Recevabilité, si vous pouvez en accuser réception. Debout Congolais, ligne de droit. Debout Congolais, fini par les sons, fini dans les fonds pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour des bons prénoms les plus belles là, dans la paix au peuple ardent. Parlez la paix, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyen. Antoine, l'humain sacré de notre solidarité, fièrement salué. La même donne de notre souveraineté, Congo, don béni Congo, désaïe Congo, ô pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin, au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté. Que nous léguons à notre prospérité pour toujours. Le Congo, c'est le nôtre. Le Congo, c'est le nôtre.